Faut tout montrer de toute façon. Ah, là il y a la stratégie. Là ça sent la stratégie. Ah, il n'y a pas de stratégie là. Il y a surtout que... Aïe. Un bon petit groupe. Bien soudé au départ. Mais seulement au départ. L'écart va se faire dans 10 minutes. Ah ouais, j'ai... Allez Marc, courage. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ce parcours? Je pense que la première montée elle est très très sèche. Ouais. Surtout qu'après il y a un petit détour par le rocher d'Auturel, donc il faut quand même pas monter trop fort pour pouvoir bien relancer sur les crêtes. Nickel, parfait. Voilà Julien, il commence à se réveiller donc ça va. Ouais, il a encore les yeux un peu fermés. Merci, c'est gentil pour nous. Il a pas bien vu si ça montait ou quoi là. Oh, c'est rassurant alors. Ça va. Ouais, 2-3 mots sur cette montée les mecs. Bah super, ouais. Super. Ouais, vraiment bien, il faisait froid en bas, frais on va dire, et là on est bien. Nickel, super, parfait. Le soleil, quand on se découvre un peu, c'est parfait. On a dit que... Non, c'est un 9 mètres. J'avais fait ma feuille de route et tout avant de partir. On a 786. Là, je vais arriver à 8 mètres. Ah, carrément. Il y a des journalistes de partout, car caméra. Alors là, vous allez tomber, il y a 300 mètres à peu près. Vous allez tomber sur une piste. Ça, ouais. Vous tournez à droite, ça fait une épingle. Vous tournez à droite. À droite, ouais. En bas, à droite. En bas, dès que vous êtes sur la piste, vous tournez à droite, hein. D'accord. Après, ça fait une épingle. Et après, vous allez rencontrer une autre piste, et là, il faut remonter à gauche. Ouais, à gauche, ouais. Et vous allez vous retrouver parce que départ, là où il y avait Mathieu. Voilà. Exact. Au départ qu'on a pris. Ouais, voilà. C'est la boue, c'est la boue. La boue, rocher, la boue qu'on aurait pu. Hey Julien, hey les gars. Ouais, t'es en forme, je vois. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est le départ du... C'est le départ qu'on fera le... Le 7, ça. Tout sauf les 10. Ouais. Elle est pentue, là. Elle est pentue, la montée, là, d'entrée. Ça... Mais il y a des fois, quand ça monte bien, tu marches vite. Tu vois aussi le temps. Ah oui, tu brûles les calories. Ah mais oui, et puis c'est du long. Bruno m'a dit que tu avais accéléré pour que je sois au maximum au fond. Ah non. Et en fait, j'ai dit tout à l'heure que tu as dit on peut accélérer dans les cailloux là. Ah ouais, ça n'a rien à courir, non, ça. Hein. Ah ouais, c'est cher. Non, il fait des victoires, donc je vais pas. Ah bon? Ah oui. Là, c'est bon. Quel courage, bravo. Voilà, j'ai fait le festival de l'hospitalier en 14 ans. Donc il dure quoi, 300-400 mètres. Et après, une fois qu'on est là, ça redescend et on va. Et après, c'est quand ça monte. Après, on redescend et on va courir sur les crêtes, donc un petit faux plat. Où on va revenir en fait sur la cuvette de la Gardette pour revenir à Rancaillou. Voilà le programme. Si c'est bien, il fallait pas prendre. Donc le 10, il fait à Rancaillou, il s'arrête. Rancaillou. Rancaillou. Pas toi, c'est Rancaillou. Rancaillou, si tu veux, c'est le rocher des pierres.